En fait, je rentre dans la table et la table se replie. Donc, vraiment, comme dans les trucs de magie, c'est-à-dire que la table fait pouf, disparu, plus rien. Et donc, bah, tous les bibelots qui étaient sur la table, bah, sont explosés au sol. En plus, c'était vraiment des trucs en verre, donc avec du verre partout. Alors, le chic, c'est la pièce, je pense, où j'ai eu le plus gros rôle. Pour le coup, c'était vraiment un rôle de composition. J'ai eu du mal à apprendre le texte, j'ai eu du mal à rentrer dans le personnage. Il m'a fallu du temps pour appréhender en fait le personnage de petit bourgeois. Donc c'était vraiment un bon travail de personnage en fait sur le chic. J'ai vraiment bien aimé jouer cette pièce-là. Le chic, c'est un vrai boulevard. C'est vraiment du vaudeville à l'ancienne. Et j'ai eu la chance sur cette pièce d'avoir un personnage, donc le personnage de Médard, qui est complètement débile. Il a clairement pas la lumière à tous les étages. C'est vraiment un rôle complètement fou où le mec, il fait toujours des têtes en mode enfin voilà, des espèces des réactions un peu surjouées, un peu n'importe quoi. Il est capable d'aller se planquer sous la table. On lui donne un casque, qu'est-ce qu'il fait pour le cacher? Il se le met sur la tête. Enfin, il a aucune logique, ce personnage. Et en fait, du coup, ça me permettait aussi, moi, de faire un peu ce que je voulais avec. Le personnage de Médard, moi, c'est un personnage qui m'a énormément marqué. Déjà par son aspect très, très coloré, au niveau du personnage, du costume, qui était tape à l'œil, on va dire. Souvent, quand je suis metteur en scène, j'essaie qu'il y ait des costumes très exubérants, très particuliers pour les comédiens qui, souvent, du coup, me détestent pour ça. Et à l'inverse, on m'a rarement fait des costumes bizarres, particuliers, enfin voilà. C'est rare en fait qu'on fabrique vraiment des costumes pour moi. Ils doivent avoir peur, les metteurs en scène, je pense. Et pour le coup, dans le chic, alors c'est pas non plus un costume exubérant, mais j'avais eu une veste pour la scène où je m'infiltrais chez une cocotte en me faisant passer pour un grand duc de je sais plus quoi. Donc cette espèce de mec un peu bourrin et tout qui essaie de se faire passer pour un riche, un duc. Et j'avais une magnifique queue de pie rose et bleue, alors de toute beauté. Costume qui marche très bien. La redingote de Médard dans le chic, qui est très très colorée et qu'on utilise dans plein de pièces, plein de café-théâtre depuis, parce que c'est un costume qui est vraiment... qui donne la banane, une espèce de redingote rose et bleu, tout de suite ça fait sourire. Alors, c'était d'un goût particulièrement douteux, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est que je me sentais mais vraiment bien dans cette veste. Elle était bien, assez large pour que elle suive les mouvements, que ça vole au vent et tout. En plus, pour le coup, c'était une scène où il y avait tout un jeu où Gaëtan me poussait, du coup je faisais des tours sur moi-même et avec cette veste et tout, enfin c'est vraiment un costume qui m'a marqué, ouais, vraiment la veste bleue et rose de Médard. Et après, par l'interprétation de l'acteur aussi, moi j'adorais ce personnage totalement burlesque mais qui collait super bien à l'univers. Un vrai plaisir du coup à jouer cette pièce, puis même l'ambiance, ce côté vaudeville complètement fou qui part en tous les sens, c'est très très agréable à jouer. Cette pièce, on est allé la jouer dans le cadre du festival de Godwarszeld. Et donc, bah là encore une fois, il y a une grosse demi-heure de route, une heure peut-être même. Il y a une petite heure de route, on va dire. Donc c'est un festival où ils enchaînent les pièces. Et en gros, d'un point de vue horaire, la pièce précédente se terminait et je crois qu'on commençait une demi-heure après. C'était un truc comme ça niveau temps. Et donc, il fallait qu'on soit là-bas à l'heure. Au moment où la pièce se terminait, ils nous ouvraient les portes de l'arrière de la scène et on déchargeait, on installait. Guillaume, qui était en technique sur cette pièce-là, il faisait rapidement son plan de feu. On devait tout installer et une demi-heure après, on devait être prêt à jouer. Donc on s'était même maquillé avant de partir, donc on avait fait toute la route déjà maquillé. Enfin voilà, le truc il était fou. On n'avait pas nos costumes à l'avance, mais c'est limite, on n'aurait pas dû le faire quoi et tout. Et en fait, moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on s'est dit, mais
une demi-heure pour décharger, installer, organiser les coulisses, s'habiller et être prêt à y aller, c'est chaud. Et bah on l'a fait. Et franchement, se souvenir, se dire bah ouais, on a réussi un truc qui est ultra compliqué comme ça, réussir à le faire, c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué. On jouait le chic à Godzarsveld et on a eu un bris de décor mais pas possible, la cheminée s'est pété la gueule. Comme on était allé joyeur, on avait dû prendre le moins de matériel possible ou des trucs qui se pliaient. Et donc on n'avait pas la table habituelle et on avait une table pliante. Et en fait, au moment où je devais normalement me retourner et casser un truc avec un petit mouvement discret de la main pour faire tomber un vase, en fait je rentre dans la table et la table se replie. Donc vraiment comme dans les trucs de magie, c'est-à-dire que la table fait pouf, disparu, plus rien. Et donc bah, tous les bibelots qui étaient sur la table bah, sont explosés au sol. En plus c'était vraiment des trucs en verre, donc avec du verre partout. 3-4 choses sont tombées, on a cassé plus de vaisselle qu'on devait en casser. Enfin voilà, c'était assez comique. Et effectivement... Juste après, je repars. Normalement, en repartant, j'étais censé effectivement taper un autre vase qui était sur la cheminée. Et là, en fait, je sais pas, dans la précipitation, au lieu de juste casser un bibelot, je rentre dans la cheminée qui s'explose au sol avec tout ce qu'il y a dessus. Et en plus, dans l'acte suivant, il y avait un moment où j'étais censé me promener à quatre pattes par terre au milieu des déchets. Donc, on a tant bien que mal essayé de vite enlever les trucs entre les deux actes, en sachant qu'on n'avait pas de balai, on n'avait pas de ramasse-poussière, on n'avait pas tout ça. Ça fait un bon souvenir quand même. À la fin, on avait une course-poursuite. Le truc aussi très, très Looney Tunes avec aussi... je pense qu'on avait 3 ou 4 portes sur scène et qu'à un moment, les gens changeaient de porte peut-être. Enfin, voilà. Ça m'avait beaucoup marqué cette course-poursuite. On avait d'abord... on avait testé 2-3 choses, on avait filmé, mais... Je pense que je dois encore avoir la vidéo avec du coup les comédiens en costume de ville avec une table de camping au milieu de la scène. Pas de décor en fond, on voyait les boîtes, le bordel, etc. Et j'avais... Voilà, ça m'avait marqué. Moi, ce que je m'étais amusé à faire, en fait, parce que Vincent m'avait donné la musique... Donc c'était la musique qu'on entend habituellement sur le French Cancan. J'avais carte blanche à ce moment-là en termes d'effets lumineux. Donc moi je me suis un peu éclaté à faire des petites lumières qui clignotent de partout dans la salle, sur scène, pour essayer de suivre un peu la rythmique de la musique. Et c'est un petit moment où je me suis fait plaisir et où ça m'a marqué quoi. C'est la première pièce que j'ai vue de la compagnie Bartolo. Bah, c'est du vaudeville, donc il faut que ce soit rapide, dynamique, énervé, parce que ça se joue dans l'énergie. Et j'avais été assez impressionné par la performance qu'il y avait sur scène pour du théâtre amateur. Après, c'était un des premiers spectacles que je voyais, mais c'est un truc qui m'a marqué. Je connaissais vaguement, mais je n'ai jamais vraiment regardé de pièce ou quoi que ce soit. Et j'ai pris énormément de plaisir à voir cette pièce. Ne serait-ce que voir du boulevard, déjà, c'est très très drôle à regarder. Et on sentait une certaine effervescence qu'il y avait sur scène où les comédiens se tenaient vraiment bien. Je jouais avec ma sœur. À un moment donné, je devais me battre avec Thomas. Et ma sœur devait rentrer à ce moment-là. Et ma sœur ne rentre pas. Donc on se bat avec Thomas. Et puis au bout d'un moment, je panique un peu. Et du coup, je finis par crier très fort son nom de personnage de scène. Pour qu'elle puisse rentrer à ce moment-là, ça m'a paru très très... Finalement, c'était pas si long que ça, mais ça m'a paru très très long. Et je me suis dit, waouh, c'est hyper sympa à voir et j'ai adoré. Et j'ai jamais regretté d'être rentré à Bartolo de par ce premier billet, à savoir cette première pièce des porte-claques.